Une mariée riche arrive debout dans sa voiture. Et une mariée fauchée... arrive déjà comme elle le peut. Salut tout le monde! Vous regardez votre émission préférée, les mariages de Wouhou? Voici nos adorables candidates d'aujourd'hui. Comme d'habitude, une d'elles gagnera une valise pleine d'argent. Et l'autre recevra un seul billet. Lancez la pièce! Qui sera la mariée riche cette fois? Ce sera pas toi! Prends tes millions, Dorothy! Et 100 euros pour Mélanie! Bon mariage! Une mariée riche peut prendre autant d'Europe que son fiancé peut se le permettre. Je sais pas laquelle choisir. Je vais toutes les prendre et je me changerai tout au long de la journée. Vous acceptez de prendre l'autre jusqu'à ce que la mort vous sépare? Yes. Alors, signez ce certificat de mariage. Hein? Avec ce stylo? Retire ce stylo bon marché de ma vue! On a apporté notre propre stylo. Il est en or massif. Je vous déclare maintenant comme étant de très riches mariés femmes. Oh non! On a raté le réveil! Et c'est le jour de notre mariage! Et en plus, on n'a rien à se mettre! Heureusement qu'on s'est dessiné! T'as déjà vu du body painting de mariage? Tout le monde est d'accord? Très bien! Super! Signez le contrat de mariage! Oups! Quelqu'un a un stylo? Non, mais on a un corps plein de peinture. Ça fera l'affaire. Je vous déclare maintenant mariée femme. Vous pouvez rincer vos tenues maintenant. Dorothy arrive au restaurant dans une voiture de luxe. Mais c'est pas ça qui va la sauver du désastre. Oups, ma robe! Je vais te couvrir, ma chérie. Mélanie arrive sur un fauteuil de bureau. Oups, ça, c'est le propriétaire du fauteuil. Rendez-moi mon fauteuil, les jeunes mariés. Je n'ai nulle part où m'asseoir dans mon bureau. Quel jour on devrait se marier? Ce jour-là? Ou peut-être celui-ci? Non. Non? Pourquoi choisir? On n'a qu'à faire la teuf pendant tout le mois. On peut se le permettre. Chérie, on doit fixer une date. Peut-être jeudi? Plutôt mercredi? Il y a des promos au resto le mercredi. Parfait! Envoie un message aux invités. Rendez-vous le mercredi matin. Quoi? Bah, personne n'est dispo? Tout le monde travaille! Cool! On va économiser comme ça. On a choisi une super date.
une mariée riche a besoin de la coiffure la plus chère. Je veux quelque chose d'original, de tendance et de magnifique. J'ai un budget no limite. Un voile de mariage? Non, c'est trop basique. Un diadème? Pff, non, j'en porte un tous les jours déjà. Et des diamants saupoudrés partout dans tes cheveux? Ouais, c'est parfait pour moi! Sa coiffure est terminée. Waouh! Les diamants, c'est vraiment les meilleurs amis des femmes. Je suis tellement contente de pouvoir me payer ça. La pauvre mariée va aussi une coiffure stylée dans le salon de coiffure le plus en vogue de la ville. Hein? Ça coûte combien? Sérieusement? Mélanie a eu tellement peur que ses cheveux sont devenus tout blancs. Hé, hey, ça m'a rien coûté et c'est stylé comme ça. On va laisser les choses comme elles le sont. Merci. On va utiliser de l'argent comme déco. C'est toujours une bonne idée. J'adore cette guirlande. Le vert, ça me va trop bien. Et des verres avec de l'or et des pierres précieuses, bien sûr. Ces idées de déco coûtent trop cher. Je peux pas me permettre ça. Mais je peux laisser libre cours à mon imagination. Du papier toilette et un marqueur, c'est les meilleurs amis d'une pauvre mariée. Chérie, regarde ça. J'ai une surprise pour toi. On va ajouter la fraîcheur des pains. C'est la réception de mariage parfaite. Les invités du mariage de riche sont tous issus de la haute société. Regarde, il y a des super-héros ici! Lors du mariage bon marché, les invités sont imprimés. Ils prennent pas beaucoup de place et ils ne mangent pas beaucoup. Et on économise tellement d'argent comme ça! On est trop contents que vous soyez ici, les copains en papier! Chérie, arrête de flirter avec la demoiselle d'honneur! C'est l'heure de la première danse, et c'est parti! Steven Spielberg a orchestré cette danse. La première danse. Chérie, veux-tu m'accorder cette danse? La mariée fait du breakdance et son mari fait du beatbox. Quel mariage moderne! Dorothy peut engager le meilleur et le plus populaire des photographes pour son mariage. Même s'il est déjà occupé au mariage de quelqu'un d'autre. J'arrive tout de suite! Désolé les gars, je suis pris aujourd'hui! Une séance photo de mariage avec deux appareils, un éclairage personnel, des poses planifiées. Nos photos de mariage pourraient se retrouver sur la couverture de Vogue! Lors du mariage bon marché, notre photographe, c'est qu'un simple type avec un téléphone. C'est qui? Notre photographe?
C'est un artiste conceptuel trouvé sur Instagram. Tu veux bien nous prendre en photo? Bien sûr! Oups, mon téléphone est déchargé. Pas de souci, je vais vous dessiner. Ça vous ressemble? Chérie, j'ai une surprise pour toi. De véritables feux d'artifice. Viens, on va voir le spectacle. Waouh! Ça brille comme des diamants! Il y a aussi des feux d'artifice au mariage bon marché. Surprise! On a téléchargé ces feux d'artifice sur YouTube, rien que pour vous deux! C'est trop beau! C'est sûr qu'on n'oubliera jamais notre mariage! Chérie, le dessert arrive bientôt? Je veux notre gâteau de mariage! Bien sûr, ma chérie! Apportez le gâteau! Ce gâteau géant est hors de prix et pour tous nos chers invités! J'ai faim, chérie! On va se faire livrer! Je vais commander une pizza! Commande confirmée! Ce sera bientôt là! Allô? Ok, j'arrive chercher la commande! Chérie, je reviens tout de suite! Voici notre commande! Heureusement que le marié travaille comme livreur! La pizza la plus délicieuse de toutes pour ma charmante mariée! T'as aimé nos mariés? Alors, dis-nous dans tes commentaires quel mariage tu as préféré! Et toi, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo et clique sur la cloche! Ne manque aucune nouvelle vidéo hilarante de Wouhou!